Les casques bleus de la force de réaction rapide du Portugal participent dans le cadre du mandat de la MINUSCA à des opérations militaires pour protéger la population centrafricaine des activités hostiles des groupes armés. Déployés dans la MINUSCA depuis le 6 septembre 2018, ces soldats d'élite effectuent des rotations tous les 6 mois. 180 éléments de la force portugaise de réaction rapide de la MINUSCA ont reçu la médaille des Nations Unies le 20 février à Bangui, en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Mankeur Diaye. Je suis conscient que vous n'avez subi aucune victime. Mais nous sommes très tristes. Nous continuons d'honorer la mémoire de ceux qui ont payé le prix ultime. Je salue le sacrifice visible et moins visible que chaque membre du contingent a fait dans l'exercice de vos fonctions. Les déploiements opérationnels de la force de réaction rapide de la MINUSCA ont abouti à 11 affrontements avec des groupes armés, dont des opérations offensives planifiées et des réactions urgentes pour protéger les civils.